Voici une page de l'histoire de la marine. En novembre 1939, la guerre avait 2 mois. En Pologne, la guerre éclair, mot nouveau et chose nouvelle, bouleversait les anciennes conceptions stratégiques. Mais sur mer, rien n'était changé. Dans cette guerre, l'Allemagne avait les moyens de se nourrir. L'Angleterre, pas. Si les Allemands réussissaient à couler ou à immobiliser les bateaux qui ravitaillaient l'Angleterre, ils gagnaient la guerre. Pour cela, ils disposaient de 3 armes efficaces. Les mines magnétiques, les sous-marins et les bateaux corsaires. Ces cuirassés de poche étaient puissants et rapides. Il n'avait rien existé de pareil jusque-là. C'étaient les tigres des mers. 10 jours avant la déclaration de guerre, un de ces corsaires quittait un port allemand avec des ordres secrets. Il remonta de nuit la côte norvégienne, franchit sans être vu le détroit de Danemark entre l'Islande et le Groenland, et gagna l'Atlantique Sud, où un bateau de ravitaillement l'attendait déjà. Les mois passèrent sans qu'on soupçonnât qu'une bête de proie se tenait là, aux aguets, tandis que l'un après l'autre, des bateaux alliés étaient portés manquants. Fortune de la guerre, commandant. C'est de la piraterie, voilà ce que c'est. Mon bateau se trouvait nettement dans les eaux territoriales portugaises. Vous n'aurez qu'à vous plaindre à notre commandant, le commandant Langstroth. Me plaindre? À quoi ça servirait de me plaindre? Vous avez coulé mon bateau, vous avez volé mes papiers. Ma position est clairement marquée sur la carte. Votre carte est inexacte. Inexact, et ça? C'est la côte de l'Afrique orientale portugaise, non? Nous sommes dans la limite des 3000. Et tenez, voilà le cap Zavora. Voilà le phare de la pointe de Kessico. Vous êtes aveugle? Tout ce que je vois, commandant, c'est 2 de nos bateaux de sauvetage qui sont en train de recueillir tout votre équipage. C'est vous le cuirassé de poche, Graf Spee. Arthur! Englische Kapitän Taft von der Afrika Shell, Herr Kapitän. Danke. Warten Sie hier, bis der Kapitän frei ist. Bitte. Alors, Kommandant Dorf. Alors, Kommandant Langsdorf. Très heureux de vous connaître.
On m'a appris que vous protestiez contre la capture de votre bâtiment. Vous dites que vous étiez dans les eaux territoriales portugaises. Ça pourrait me causer de graves ennuis. Pas si grave à beaucoup près que ceux que ça m'a causé. Moi, j'ai perdu mon bateau dans l'affaire. Et à mon avis, il n'y a pas le moindre doute que j'étais à l'intérieur de la limite des 3000. Si j'avais ma carte, je vous le montrerais. Là, voilà votre carte, commandant. Voulez-vous me montrer ça? Certainement. Regardez. Tenez, vous voyez cette ligne? Il me semble que c'est clair. Nous ne serons jamais d'accord, commandant. Vous voulez que le chiffre dise que vous avez raison et moi tort, tandis que je veux qu'il dise... Nous allons faire un compromis. Vous m'adressez une protestation écrite et je vous donne un reçu. C'est équitable? Tout à fait équitable. Alors, buvons. Du scotch. D'origine. Il vient du cargo Clément. Ah, c'est vous qui avez coulé le Clément? Cigarette? D'origine aussi? Oui, mais pas du Clément, je crois. Non, ça vient du Huntsman. Le commandant du Huntsman était un ami à moi. Hé, commandant. Hé. Comment? Il est à bord? Pas exactement. Croyez-moi, commandant, je n'ai pas envoyé des navires au fond. Quel est le marin qui aime ça? Pas plus que de faire la guerre aux civils. Jusqu'à présent, ce sont les civils qui ont le plus souffert de cette guerre. Les armées sont retranchées derrière leur béton et se menacent à coups de radio. Les aviateurs font des vols de reconnaissance quant aux marins. Prenez-moi comme exemple. J'ai le commandement d'une unité amirale. Un bateau tout neuf. Un des plus beaux croiseurs de la flotte et très rapide. Et 25 nœuds. Plus que ça. J'ai une puissance de feu énorme. 6 canons de 280 et 8 ou 10 de 130. Vous n'avez pas les yeux dans vos poches. Et j'ai pour ordre de couler les bateaux de commerce et d'éviter la bataille. Ah, on ne connaît pas son destin, commandant. C'est sûr, quand vous vous y attendrez le moins, vous pourriez bien tomber sur un des nôtres. Vous n'avez que 3 bateaux qui puissent me rattraper. Le Repulse, le Norm et le Hood. Sur le papier. Et vos gros cuirassés ne sont pas assez rapides pour m'avoir. Nous avons une quantité de torpilleurs plus rapide que vous. Ils n'ont pas mon artillerie. Sur le papier. J'ai encore un autre atout, commandant. L'immensité de la mer. Il est très difficile de me repérer. Alors ça, j'en suis convaincu, commandant. Je ne comprends pas comment vos ravitailleurs peuvent même espérer vous trouver. Ils n'essayent pas. C'est moi qui les trouve. Ça me paraît tout aussi difficile. C'est la chose la plus simple du monde, commandant. Les détails sont secrets, mais la méthode est très ancienne. L'océan est divisé en un certain nombre de carrés. Je sais exactement dans quel carré mon ravitaillement se trouvera à une certaine date. C'est très intéressant. Je sais parfaitement ce que vous pensez, commandant, mais les cartes sont en sûreté. Et vous aussi, tant que la guerre durera. Ainsi, vous voyez, je peux écumer les 7 mers du pôle Nord au pôle Sud. Eh bien, j'espère que vous n'irez pas si loin, commandant. Je ne suis pas habillé pour ça. Bon, nous demanderons au tailleur de vous faire un vêtement chaud. Ah, alors nous allons vers le Sud. Peut-être. Lemke, ça vous intéresserait de voir mon bateau? Bon, pourquoi pas? Je dispose d'une heure ou deux. Mon capitaine d'armes va vous faire visite. Merci, commandant. Désolé, commandant. Je
nous avons repéré un bateau de commerce, je vais être forcé de vous demander de descendre. Ich bringe ihn. Voulez-vous me suivre? Ich habe gerade angefangen, meine Pfeife zu rauchen. Was haben wir hier wieder erwischt? C'est gentil ici. Oui, c'est la chambre des midships. C'est surtout très spacieux. Vous y serez avec 29 autres officiers. 29? Oui, quand on rencontrera le bateau de ravitaillement, tous les officiers prisonniers seront transférés ici. Je ferais bien de retenir mon coin. On vous ramène au pays pour Noël. Oh, c'est gentil. Quand? Oh, un jour. Bientôt. D'ailleurs, le commandant Larson vous fait dire de le mettre, il est monté sur le pont. Le voilà, le ravitaillement. Intéressant. Pour vous, commandant. Allez-y. Prenez. Merci, avec plaisir. On dirait que c'est le Père Noël qui arrive. C'est lui. Viande fraîche, légumes verts, fruits et un peu de mazout. Commandant Dau, le Père Noël. Bien camouflé. Mais maintenant, nous faisons beaucoup mieux. Par exemple, nous arborons ceci pour les nœuds. Un jour, je suis le Deutschland. Hombête. Et le lendemain, je suis l'amiral Schell. Les neutres racontent évidemment ce ruban, n'est-ce pas? Si bien que votre marine est intéressée. Je suis comme une jolie femme. Je change de toilette, je change de chapeau, et je suis une autre. Avoir une nouvelle cheminée en toile et une nouvelle tourelle en bois. Vous voyez? Pas mal, hein? La nappe.
Donnez-moi ce livre, James Piping. Bien, capitaine. Oh, oh, le James. Oui, le James est un ouvrage très précieux. Voilà notre nouvelle silhouette. Un croiseur lourd américain. C'est pour ça que vous avez un numéro peint sur votre proue. Vous croyez que ça prendra? Assez pour ne pas être reconnu. T'inquiète. 5 minutes à 28 nœuds suffisent pour se mettre hors de portée de presque tous les adversaires. Il n'y a que deux choses indispensables dans la guerre navale moderne, commandant. De bons renseignements venant de la Terre pour savoir à quoi vous devez vous attendre, et un bon service de réparage à bord pour découvrir ce à quoi vous vous attendez. Oh, à propos de silhouette, il faudra que je félicite le tailleur. Vous êtes très bien. Merci. Il faut que vous ayez belle apparence. Je vais prendre à bord tous les officiers actuellement prisonniers sur l'Alpin. Oh, puis-je savoir pour quelle raison? Oui, le Graf Spee va être relevé par un autre bateau. Notre croisière est terminée. Trois mois, commandant. Nous avons gagné une petite permission. Je dois amener mes prisonniers avec moi. Vous aurez de la compagnie ce soir. Victor, papa. Aber wir wollen immer mit der Ruhe. Ihr Junge hat sich nicht mehr in der Eile. Nur immer wieder Eile. Raus. Zu viel. Was kann denn da drin sein, was? Ach, ist das schwer. Ja, was kannst du wieder sagen? Es geht noch einen Tag. Je me sens un peu gêné de les recevoir dans cette tenue. Boule. Or. Regardez. Newcastle. Je vois qu'ils ont eu plus de temps que moi pour faire leur sac. Allez, Bagnon! Venez, prenez ce verre. Allez, Bagnon! Très Bagnon, venez par ici, dépêchez-vous. Bonsoir, capitaine. Vous êtes aussi un prisonnier? Vous prenez pour un Fritz? Non, je m'appelle Dove, de l'Afrique Hachel. Enfin, nouveau visage. Quand avez-vous été coulé? Le 15 novembre, dans l'océan Indien. Il y en a d'autres avec vous? Non, ils n'en ont pas coulé après le mien, et ils n'ont gardé que moi à bord. Vous entendez ça? Pas une seule proie depuis 3 semaines. Il doit commencer à avoir faim. Comment vous ont-ils traité? Tout à fait correctement. Comment est le Pacha? Oui, comment est le commandant? Bien, c'est un type bien. Alors il ne ressemble pas à Dal, le commandant Batmar. Espèce de bourriquin. C'était un bagne flottant. Les hommes étaient comme du bétail dans la cale. Juste une planche et un seau pour leurs besoins. Oui. Au Wiedersehen. Au Wiedersehen. Qui est-ce qui va m'apporter mon petit café le matin? Tiens. Eh bien, c'est de la chance. Ils n'ont pas bouché les trous. On est gâtés, il n'y a pas à dire. Quand j'étais seul, j'aurais pleuré pour avoir de la compagnie. Mais maintenant, je suis moins chaud. Hé, messieurs, on marche. Oui, 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 on est tout prêt. Mais qu'est-ce que vous représentez comme bateau? On fait la revue des effectifs? Huntsman. Newton Beach. Ashley. Ashley. Terroir. Prévagnon. Tout le monde sont là, manque personne. Afrique Hachel. À qui le tour maintenant? Des bêtes. Il parle pour lui, Arrêtez-vous un peu. Voilà le pire coulé. On va savoir qui est allé au fond cette fois-ci. Messieurs, la bataille est finie. La bataille? Quelle bataille? Il est goulé. 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 La marque qui est goulé. Non, 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 le Doric Star. Caput. Doric Star. Doric Star. Monsieur Doric Star, c'était un sacré rafio. C'est démoralisant, il a même pas pu se défendre. Il avait tout juste un malheureux 130 à l'arrière. Pauvre peste. Attendez que la flotte anglaise vous trouve. Oh, on attend. J'espère que vous avez recueilli l'équipage. Vous avez canardé assez longtemps. Oh, vous aurez bientôt d'autres compagnons. Encore? Où va-t-on les mettre? Oh, vous aurez de la place, oh, yaya. Écartez-vous, entrez. Venez par ici, s'il vous plaît. Soyez bienvenus à bord, commandant. Je
Je m'appelle Thor, de l'Afrique Shell. Stubbs, du Doric Star. Oui, nous savons. Le père Goulet nous l'a déjà dit. Pottinger, Ashley. Ah oui. Bonjour, Stubbs. Oh, mais c'est John Robinson. Mais comment ça va? Bienvenue à la Médina. Vous ne vous souvenez pas de moi, Murphy, du terroir. Je m'excuse d'être venu comme ça, j'ai pas eu le temps de m'habiller. Ça m'apprendra, de servir de ma radio. Ça a été le même coup que nous. Il s'est fait repérer. Il fait courir tout l'après-midi. Vos messages sont passés? Oui, je l'espère. Bravo. Ils vous ont pris à l'abordage? Non, je le fus abordé avant. Encore un jour sans viande. Oh, vous êtes brave, mais vous êtes fou. Vous aussi, vous auriez pu gouler, couler. Au revoir. Nous avons affecté le dessus des tables au commandant. Les officiers mécaniciens, dessous. Il y en a qui n'ont pas vu un journal depuis des mois. D'où est-ce qu'il vient? De Buenos Aires? Vous en voulez la moitié, Stubbs? Vous lisez l'espagnol? C'est la page des courses. Moi, je m'intéresse pas aux chevaux. Ben, moi non plus. Ben, vous nous traduirez, j'espère. Écoutez. Silence, là-bas! C'est Goulet-Goulet qui pousse sa goualante. Pas plus en avance qu'on aurait, le Goulet. Mais qu'est-ce qu'il en prend? Commandant et officiers, aujourd'hui c'est la Saint-Nicolas. Pour nous dans notre pays, c'est le jour où on prend les chaussettes. Malheureusement, nous n'avons qu'un seul arbre et il est réservé à l'équipage. Mais nous avons beaucoup d'accessoires. De la part du commandant Langston. Bon Saint-Nicolas, messieurs. Merci. Bouge pas, bébé, on va bientôt. Mettez cette verse. Il va y avoir du bon pour les poissons. Vous avez entendu? Encore un joli petit bateau pour les souliers de l'oncle Adolphe. Ça, c'est bizarre. Vous vous intéressez à la race chevaline, Stubbs? C'est très bizarre. Quoi donc? Les noms dont ils affublent leurs malheureux chevaux de course en Amérique du Sud, c'est forcément des noms bizarres. Et non, justement. Ils donnent les chevaux qui courent à Buenos Aires et à Rio de Janeiro, et il n'y a plus de noms anglais que de noms espagnols. À Rio, on parle portugais, pas espagnol. Ajax, Achille. Oh, ça n'a pas l'air spécialement anglais, ça serait plutôt grec. Quoi? Quel nom avez-vous dit? Ajax, Achille, Salvador, Exeter, Ponta Umbria et Cumberland. Ce ne sont pas des chevaux, ce sont des croiseurs. Je le connais, l'Achille. C'est un croiseur néo-zélandais. Il est de la France. Oui, et tous les autres également, ils leur ont donné des noms de bateaux. Quelle étrange coïncidence. Étrange, c'est le moins qu'on puisse dire. Parce que c'est là qu'ils puisent leurs tuyaux. Des tuyaux sur les bateaux, pas sur les chevaux. Ben, c'est de l'espionnage et rien d'autre. Ils ont un tas d'espions dans tous les coins. Nous en avons aussi. Mais oui, nous aussi. Mais ils font passer leurs informations dans les journaux. Ils ont des hommes qui les recueillent. Et qui les communiquent au Graspé. Le commandant Langsdorff change de route. Mais pourquoi en changerait-il? Que peuvent faire nos croiseurs avec leurs 150 contre un bateau puissant comme le Graspé? Oui, avec ces 280, on ne peut pas l'approcher. Un de ces quatre matins, ça pourrait arriver quand même. L'Ajax, l'Achille, l'Exeter, on n'a pas plus de chance de les trouver qu'une aiguille dans une meule de foin. Faut pas être pessimiste.
que trois aiguilles dans une meule de foin. Mmh. Message à l'Achille et à l'Exeter. Je voudrais vous voir aujourd'hui à 11h, à bord de l'Ajax. Vous donnerez l'heure d'origine. Bien, lieutenant. Sortez les cartes, s'il vous plaît. Elles sont prêtes à nous. Bon. Timonier, message à l'Exeter. Scott de l'Ajax. Amiral, chef. De l'amiral, commandant. Bobby, j'aurais besoin de la baleinière tout à l'heure. Commodore réunit tous les commandants en conseil. Tout à fait le genre Nelson, hein. Timonier, message à l'Achille. Pilote, commandant, j'aurai besoin de la baleinière pour aller à bord de l'amiral dans environ une demi-heure. Bien, commandant. Les hommes de la baleinière n'ont pas eu beaucoup d'occasion de travailler ces temps-ci. Non, commandant. Ils ne vont pas nous noyer. S'ils nous font un coup pareil, commandant, je vous promets de leur coller 4 jours. Avez-vous une idée de ce que le commodore a l'intention de faire de nous, maintenant qu'il a 3 bateaux pour s'amuser? Et une chose me paraît certaine, c'est qu'on est bon pour faire de la manœuvre d'escadre. Ça nous fera peut-être pas tant de mal que ça. Non? Timonier, commandant. Ne perdez pas l'Ajax de vue. Bien, commandant. Tel que je connais mon Harwood, nous allons être bientôt fixés. Dépêchons, ne laissons pas les Néo-Zélandais nous griller. Allez! L'Exeter, amiral. Ah, bonjour, Belle. Et respect, amiral. Comment ça va? Vous connaissez Woodhouse, n'est-ce pas? On ne s'est pas vu depuis un siècle. Depuis ce formidable match de rugby à Brickenham, vous vous rappelez? Moi, j'aurais soin de ne pas vous laisser ensemble. Notre ami Bell serait capable de vous dévoiler toutes mes petites manies quand ma marque flottait sur l'Exeter. Hein? L'Achille, amiral. Mais respect. Je suis content de vous voir, Paris. Bonjour, Woodhouse. Comment ça va, Paris? Bell, je crois que vous ne connaissez pas Paris. Enchanté. Très heureux. Alors, vos Néo-Zélandais, ça marche? Bon, ça marche comme 500 individualistes. Ah, dites-moi, Belle, amiral, l'état du matériel avarié et du matériel de rechange de l'Exeter que je vous ai demandé d'envoyer à la base, ça a été fait? Pas encore. Qu'est-ce qui vous a retardé? Excusez-moi, amiral, mais pas à jour. Je vais le finir aujourd'hui. Complétez-le et confiez-le au premier bateau marchand qui pourra s'en charger. Eh bien, commençons. Mettez-vous là, Paris. Fumez si vous en avez envie. Merci. Eh bien, j'ai pris l'initiative inhabituelle de vous convoquer ici parce que je désirais vous voir et vous donner mon opinion personnelle sur la situation. J'ai donné l'ordre d'opérer ce rassemblement au large du Rio de la Plata en raison des informations que j'ai reçues sur les derniers mouvements d'un corsaire allemand qui opère dans l'Atlantique Sud. Voulez-vous regarder cette carte?
L'amirauté a de bonnes raisons de penser que ce cuirassé de poche peut être l'amiral Cher, ou le Graf Spee, ou le Deutschland, qui est parti de Kiel le 21 août. Il est donc venu prendre position bien avant que la guerre soit déclarée. Jusqu'au 13 septembre, il n'a attaqué aucun bateau. On peut comprendre pourquoi. Hitler croyait qu'après la perte de la Pologne, la Grande-Bretagne et la France feraient la paix. Et brusquement, le 13 septembre, il a attaqué et il a coulé le Clément, au large de Pernambouc. Il a immédiatement quitté cette zone pour le Moyen-Atlantique, où il a opéré entre le 5 et le 10 octobre. Ses victimes étaient le Newton Beach, l'Ashley et le Huntsman. Une fois encore, il s'est éloigné de cette zone pour gagner rapidement la côte occidentale de l'Afrique, où il a coulé le Trévagnol. Ensuite, il a cherché un nouveau terrain de chasse en doublant le cap et en gagnant l'océan Indien, probablement pour attaquer les bateaux venant des Indes et d'Australie. Mais il n'a coulé qu'un petit pétrolier, l'Africa Shell, ici, dans le canal de Mozambique. Ensuite, il a probablement rebroussé chemin parce que ces jours-ci, il a coulé un bateau de la Blue Star, le Doric Star, là. Comme il sait que le Doric Star a pu signaler par radio qu'il était attaqué, il est évident que le corsaire va essayer de quitter cette zone aussitôt que possible. Donc, selon mon opinion, il va faire une des trois choses suivantes. Primo, il va repartir vers l'océan Indien. Secondo, il va essayer de rentrer en Allemagne comme il est venu par le détroit du Danemark. Ou tertio, avant de rentrer chez lui, il va venir faire un tour dans notre partie du monde, qu'il n'aurait jamais dû quitter, pour faire une dernière victime parmi les cargos de blé et de viande venant d'Amérique du Sud. Et mon intuition me dit que c'est exactement ce qu'il va faire. En se basant sur la vitesse qui est probablement la sienne, on peut estimer que s'il a mis le cap sur Rio de Janeiro, il doit arriver ce matin 12 décembre. S'il va vers l'entrée du Rio de la Plata, et c'est ma conviction, il sera ici 24 heures plus tard. Demain? Oui, demain. Mon seul but est la destruction de l'ennemi. Mon intention de l'attaquer tout de suite de jour ou de nuit. Ces canons ont une portée supérieure. Donc, dès que nous aurons repéré la bête, nous nous approcherons à la vitesse maximum et nous diviserons son feu en l'attaquant sur ses deux flancs. L'Ajax et l'Achille attaqueront conjointement. L'Exeter attaquera de son côté. De cette manière, non seulement nous diviserons la puissance de l'ennemi, mais nous pourrons guider mutuellement notre tir. Il me faudrait aussi le Cumberland. Ces pièces de 8 pouces ne seraient pas superflues. Mais il est en carénage au Falkland encore pour une bonne quinzaine. Alors dites à vos équipages d'ouvrir l'œil pendant les heures qui vont venir. Recherchez toutes les défectuosités qui pourraient réduire votre puissance de combat et remédiez-y. Nous exercerons à ma tactique pour l'attaque d'un cuirassé de poche pendant le jour et après le coucher du soleil. Medley, où est le soleil? Bien au-dessus de la vergue, amiral. Alors, ouvrez le gin. À l'officier de tir de faire un tour d'horizon. Et les pointeurs? Balayez l'horizon des deux bords. Bon. Stessé? Oui. Venez sur la droite. Dorset. Dorset. Belle journée. Et on aura une bonne visibilité.
Oh, quel rêve merveilleux je viens de faire. Elle était jolie? Oh, c'était pas une fille. Pas de conversation, Archer et Barnes. C'était justement de lui que je rêvais. De lui? Oui. J'étais dans le hall de l'hôtel Ritz à Londres. Et alors? Alors, c'était ce faillot-là qui était le portier. Oh. Je l'ai envoyé chercher un taxi sous la pluie battante, et quand il s'est ramené, j'ai dit, cherchez-moi un autre, mon brave. J'aime pas cette couleur. Quelle heure? 4h50, amiral. Il y a une jolie brise, nous allons avoir une belle journée. Bonjour. Si bon que ça, vous n'avez pas remarqué. Encore une nuit de tirée. Alors, c'est aujourd'hui le jour. Ouais. Commandant? Oui, j'écoute. Rien à l'horizon. Bon, merci. Commandant, on peut donner l'ordre de quitter les postes de combat? Voyons d'abord ce que fait l'amiral. Visibilité totale, amiral. Rien en vue. État d'alerte, troisième degré. Bon, pilote, poste de croisière. Sonnez au poste commandant. De croisière. Bien, commandant. Bosco, faites sonner au poste de croisière. Bien, lieu. La Jacques signale, état d'alerte, troisième degré. Appelez au poste de croisière. Clairon. Clairon. Présent. Sonnez la berloque. Oui, lieutenant. À peu près Shakespeare, les îles de décembre sont arrivées. Oui, César, mais pas encore parti. <rire> 6h10. Oh. Je suis dans ma chambre. Bien, commandant. Ouvrez l'œil. Oui, oui, commandant. Et particulièrement sur l'amiral. Oui, commandant. Ah, je vais me raser et prendre un bain. Ouvrez l'œil, hein. Et ouvrez les deux pour l'amiral. Midship, allez voir à quelle heure se lève la lune ce soir. Vous signerez les papiers après le déjeuner, amiral. Oui. Le Templière, amiral. Si vous voyez quelque chose, prévenez-moi tout de suite. Entendu. Vous autres, tâchez d'ouvrir l'œil. Oui, amiral. Alors, vous ouvrez l'œil?
Et je suis descendu presque au radeau. Les veilleurs sont à leur poste, lieutenant. Bon, merci. Si vous étiez si bas que ça, il a... Une fumée, gisement bâbord 100. Fumée, gisement bâbord 100. Commandant. Oui. Fumée, gisement bâbord 100. Non. Amiral. Fumée, gisement bâbord 100. Du nord-ouest. Oui, amiral. Dites à l'Exeter de la reconnaître. Bien, amiral. Premier maître. Lieutenant. Envoyez à l'Exeter. Reconnaissez fumée, gisement bâbord 100. Bien, lieutenant. Gouverner au nord. Chef. Encore un message de l'amiral. Avez-vous établi l'état du matériel? Si fumée est des nôtres, confiez-lui l'état pour transmettre à base. Elle est bien bonne. Ah, cet état du matériel. Le Pacha va en faire une maladie. Je vois ces superstructures. On dirait bien un cuirassé de poche. Oh, fichez-nous la paix avec vos idioties, Swanston. Ça fait le troisième cuirassé de poche que vous découvrez depuis dimanche. Oh, quand même, je suis pas fou. Commandant, vous voudriez vous monter sur le pont. Je suis sûr que je vois une tour. Je m'y connais. J'ai été sur des gros culs. On finira par le savoir. Pennyfeather, vous pouvez l'identifier? Il y a de la brume, commandant. C'est clair comme le jour. Montez un peu, essayez de voir de là-haut. Oui, commandant. Signal de l'Exeter, commandant. Avion 5, ennemi en vue, ennemi en vue. Prévenez l'équipage de l'avion. Qu'est-ce que je disais? C'est un cuirassé de poche, commandant. Ça, c'est nouveau. Je ne l'avais encore jamais entendu. Ah, ils ont peut-être trouvé à qui parler cette fois. Donnez l'alerte. Toutes les chaudières sur le collecteur. Toutes les chaudières sur le collecteur. Les deux machines en avant toutes. Les deux machines en avant toutes. Commandant. Je crois que nous avons l'amiral Cher par le travers bâbord. Je viens. Sonnez au poste de combat. Donnez l'alerte. Clairon. Sonnez rappel accéléré. Poste de combat. Le petit bavois. Bien, commandant. 28 nœuds. 242. À gauche, 20. À gauche, 20. Venez de 40 degrés sur lui. À gauche, 20. Vitesse, 28 nœuds. Georges, 2-8. 210 tours. Timonier. Lissez le petit bavois. Message à amirauté de Commodore Atlantique Sud. Je
commence action contre cuirassé de poche. Précisez notre position de référence. Utile. Position. Faites-moi disparaître cet instrument. Exécution. Artillerie, ouvrez le feu dès que vous serez prêt. Prévenez tout le personnel, Smith. Nous attaquons à cuirassé de poche. Bien, commandant. Eh bien, Graham, ça y est, ce coup-ci. Je vais faire un tour en bas, allez, secouer un peu. La parole, regardez, il a sorti son pavois. Ah, peut-être que c'est dimanche. Et dans ça va. Les ravitailleurs de 150 sont à leur poste. Ils montent des obus de la soute. Ah, ils n'ont plus leur siphon farouche. Hey, qu'est-ce que j'avais dit? Vous les entendez? Il est tombé sur un adversaire sur sa bord. J'espère que c'est une de nos grosses unités. Ils vont faire sauter cette boîte à sardines. Mais oui, et nous avec. Oui, c'est vrai, ça, j'oublie toujours ça. Qu'est-ce que c'est? Calme, nous ne sommes pas touchés. Allez, restez à terre, allongez-vous, il n'y a pas de danger pour le moment. Allons, allons. Allez. Gouvernez au plus près de l'ennemi en conservant les pièces battantes. Très bien. L'heure ? 6h18. On a réussi à diviser leur feu. Leur tir est fichtrement précis. Ils nous ont encadrés avec leur première salve. Vous feriez bien d'ouvrir vos parapluies. Ici télépointeur, nous allons bientôt ouvrir le feu. Nous ouvrons le feu, commandant. Bon. Commandant, qu'est-ce qu'on fait des grenades? Si jamais on prend un coup de plein fouet, c'est tout l'arrière qui saute. On les jette à la mer? Je pense bien. Plage arrière? On se prépare à catapulter l'avion. Plateforme avion, préparez-vous à catapulter l'avion. Tant pis, prête, commandant. Ah. Nous allons être à portée de tir. Merci. C'est curieux, je ne vois pas ce qu'ils veulent faire. Quand on a une portée plus longue que l'ennemi, pourquoi s'en rapprocher? Salve, attention! C'est bien, les canonniers. Nous ouvrons le feu, commandant. Enfin. La Jacques a ouvert le feu, commandant. Au maximum de portée. Pas pour longtemps. Attention, pilote, venez sur la droite. Bien, commandant. À droite, 20. Allô, artillerie. Oui, commandant. Je gouvernerai toujours sur les derniers points de chute. Corrigez le tir en tampon de ça. Bien, commandant. Compris, pilote? Compris, pourvu que l'ennemi ne comprenne pas. Barre à zéro. Vous ouvrirez le feu aussitôt que vous pourrez. J'ouvre le feu tout de suite, commandant. Comme ça. Attention, tenez-vous prêts! Quoi? Maintenant? Oui, on va s'arranger pour décoller entre deux salles. On a 10 secondes d'intervalle seulement. Avec un obus de 150 au derrière, on ne mettra que 6 secondes. L'Exeter l'a encadré. Il a trouvé la distance. Nous aussi. Il s'encadre. Quand on sera touché, on s'en apercevra. Qu'est-ce que je vous disais? Ouah, tapis de temps. Ah, t'as pas fini, non? Faites-moi un descendre de là. Eh oui, vous êtes là. Monsieur gagne un super velours, un sac de praline ou de cadavres. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? C'est de l'essence. Éteins ta cigarette, imbécile! L'avion de reconnaissance a été touché. Oh, mais juste au-dessus. Si le carburant se répand, on sera grillé instantanément. Comme les cochons de ton patelin. On ose dire qu'ils ne sont pas bons. Hé, hey Bob, quand je serai à point de ce côté-ci, tu me retourneras. Amiral, l'ennemi semble venir sur nous. Ça fait notre affaire. Il
concentre le feu de ses grosses pièces sur l'Exeter maintenant. Quoi? Ce n'est pas possible. Maintenant, c'est nous qui prenons tout. Oui, on tire plus sur les autres. Coup direct dans le magasin de peinture. Des infirmiers à l'avant. Attendez-vous! Qui est celui-là, là-bas? Sur la plage avant. Je crois que c'est mort. Passez le mot à tout l'équipage qu'ils en prennent encore plus qu'ils ne nous en envoient. Oui, commandant. Pilote! Coup de plein fouet sur l'Exeter, amiral. Je crois que c'est la tourelle avant. Dieu merci, commandant, vous êtes sain et sauf. Le feu a pris sous le pont. Et le personnel B? Hors de combat, presque tous tués. Un coup de plein fouet a arraché le blindage. Vous avez l'air d'avoir tout fait. Si le feu se propage, faites noyer les soutes. Compris. Je suis venu le plus vite que j'ai pu. Il ne manque pas de travail pour vous, padre. Allez, vite, vite! Je vais sur la passerelle arrière. Très bien. Et regardez. Qu'est-ce que vous faites? Je regarde beaucoup, mais un commandant doit avoir une casquette. Vous mettrez celle des dimanches. Venez, Robert. Alors, mon vieux Tom. Ça va bien, padre. On essaiera de vous installer un peu mieux. Non, pas vrai. Il y en a d'autres qui sont plus touchés que moi. Complètement disparu dans la fumée et les flammes. Oh, connais-je une demi-douzaine de torpilleurs. Celui-là est tombé tout près de la passerelle. Ça va, Pris. Hé, Smith. Commandant. La passerelle est fichue. Je vais sur la passerelle arrière. Bien, commandant. Comment ça va ici? Presque tout l'armement des torpilles est tué ou blessé. Les hommes de réserve? Ils ont pris la relève, commandant. Les transmissions sont coupées. Je commanderai la manœuvre d'ici. Alors le Giro, vous y êtes, commandant. Un compas d'embarcation. Prenez celui de la baleinière bâbord. Un homme ici, un autre en bas, à côté de l'homme de bas. Comment transmettrez-vous les ordres, commandant? Il y a trois ponts entre ici et là-bas. Prenez des hommes pour former la chaîne. Très bien. Bon Dieu, il recommence à tirer. Avec ses deux autres tourelles. Sacré bête. Oui, je voudrais que... Qu'est-ce que c'est que ça encore? C'est l'essence de l'avion, son réservoir est crevé. On essaie de balancer cette saleté-là par-dessus bord. Ah, heureusement, à la prochaine salve, on serait transformé en Jeanne d'Arc. Commandant. Vous resterez près de moi. Mac Barnett, commandant. Mac Barnett, chargez-vous de la navigation. À vos ordres, commandant. Passez vos ordres à mon planton. Bougez pas de là, Robert. Bien, lieutenant. L'Achille vire sous la fumée, commandant. Il tire sur l'Achille avec ses 150, amiral. Ouais. Et il nous encadre avec ses 280. Il vaut mieux venir sur la gauche pendant quelques minutes et revenir sur la droite ensuite. Ça déréglera leur tir. Pilote, à gauche 15. Hé, hey, commandant. Qu'est-ce qu'ils attendent pour tirer? Allô, télépointeur. Oui, vous touchez, lieutenant. Mes jambes. C'est mes jambes. Allô, télépointeur. D'autres hommes maintenant, commandant.
Non, celle-ci n'a rien. Si, elle est blessée aussi. Vous perdez beaucoup de sang. Mon Dieu, je ne m'en étais pas aperçu. Le télépointeur est hors de combat. Non, pas encore. Ici, télépointeur. Allô, passerelle. Dites au commandant que ça va aller. Envoyez des infirmiers par ici. Mais vous pensez. Juste une respiration. Hein? Bougez pas. Bougez pas. La tour est là. Cessez le feu, commandant. Qu'est-ce qui se passe à la tourelle arrière? Elle continue à tirer. Jennings s'est monté sur le toit pour diriger le feu de ses pièces. Bon, ça va. L'ennemi vient droit sur nous, commandant. À gauche, bas. À gauche, bas. À gauche, bas. On ne sera pas grillé. Vous auriez dû mettre votre casquette. Oui. Observateur à la cible, votre tir est court. Qu'est-ce que vous fichez le pointage? Chaud, ça va pour vous? Chaud! Chaud est mort. Rogers, prenez la place de Shaw. La tourelle arrière a cessé le feu, vous commandant. Vous pouvez demander, commandant? Oui, chef. Comment ça va en bas? Machine et chaudière intactes, commandant. L'ennemi approche rapidement, commandant. Plus un seul canon, plus une torpille. L'Exeter abat sur la droite, commandant. Il donne de la borne sur tribord. Il est désemparé. Quelle est notre distance? 16 000. On va foncer, Woodhouse est en vue pour les instructions de combat. Il faut le forcer à détourner son tir de l'Exeter. À la distance où nous sommes, autant les bombarder à coups de boule de neige. Oui, amiral. Trois sur lui, pilote. À gauche, main. Signalez à la Chille, vitesse 30 nœuds. Georges 3-0. Limonier ici, Georges 3-0. Quelle distance maintenant? 13 200. Je veux parler au chef. Il se rapproche pour achever l'Exeter. Allez, Woodhouse, maintenant je veux le maximum de vitesse. Chef, donnez tout ce que vous pouvez. On n'était pas décidé à nous achever. Eh bien maintenant, on n'a plus qu'une chose à faire. Si seulement il me laisse la moitié d'une chance, j'essaie de les prendre. Oui, commandant. Ce sera la fin pour nous, mais ce sera aussi la fin pour lui. C'est la seule chose qui importe. Distance 10 milliards maintenant, amiral. Alors, c'est l'instant. Sortez-lui le grand jeu. À droite, toute! À droite, toute! J'avais un tir fort avant la guerre. Continue, collera un autre. Coup de bluff, mais dans notre 150. Ah, ils les sentent passer, les boules de neige. Ça a réussi, le voilà qui change de continuez, cap. Continuez, droit sur lui. C'est bien, les canonniers. Ils commencent à tirer moins régulièrement. Au couloir porté. Thank you.
commandant. La tourelle est avariée. Elle est hors de combat, mais on travaille dessus. D'accord, tourelle. Il y a encore deux tourelles qui fonctionnent. Commandant, c'est la tourelle X. Incendie dans la noria de munitions. Allez voir s'ils peuvent maîtriser le feu. Bien, commandant. On a tiré près de 12 sangs. Il reste à peu près un tiers de munitions. Merci. Ça va chez vous? Ben, on a quelques trous d'aération supplémentaires. Ça fait des courants d'air. Autrement, ça va bien. L'heure. 7h40. De la distance, Rodaus. Tournez-lui le dos et faites de la fumée. À droite, Franck. Envoyez la fumée. À droite, un message de l'excédé, amiral. Oui. Toutes les pièces hors de service sommes toujours en état de naviguer 7h32. Il doit être terriblement mal en point. Je me demande s'il peut gagner les Falklands. Commandant! Commandant! Oui? J'ai encore 4 torpilles dans les tubes de bâbord. Bon, envoyez-les si vous en avez l'occasion. Bon, commandant. Commandant, un message de l'amiral. L'amiral demande, pouvez-vous atteindre les Falklands? Atteindre Plymouth, si c'est l'ordre. Attendez un peu. Commandant? Ajoutez. Je demande permission de réviser état du matériel. De l'Exeter, amiral. Réviser état du matériel. Sacré belle. Si quelqu'un peut réussir, c'est lui. Et répondez. Ralliez les Falklands. Dieu vous aide. Bien, bien. Que c'est fini? Plus un coup depuis un quart d'heure. Plutôt une demi-heure. Oh, j'ai regardé sur ma montre. Je me demande pourquoi nous avons mis nos casquettes. Ça, c'est vrai. Pour nous protéger. Enfin, Dieu, je sais pas ce que je donnerais pour savoir. Vous croyez que nos bateaux sont perdus? Oui, il y a peu de chance. Pourquoi est-ce qu'on filerait si vite s'ils étaient coulés? Qu'est-ce qu'il va faire, hein? En tout cas, il ne revient pas nous attaquer. Nous allons continuer à le suivre en restant chacun d'un côté. Je crève de faim. Tu voudrais pas aller voir s'il y a de quoi manger? Pourquoi tu n'irais pas toi-même? Dans l'état où je suis. Oh, ça va. Il y a un sacré trou dans le pont, regardez! Ah, c'est qu'une égratignure! Ça, pour une veine, c'est une veine. Est-ce que si ça a dû tomber sur un banc? Oui, s'il n'y avait pas eu de banc, on était cuit. Qui disait que le Graspé avait coulé nos bateaux? Nous l'avons pris en chasse! Ils nous ont pris en chasse, plutôt. À l'autre esprit, de l'autre côté, avec les copains. Très bien, y être. Je vais aller voir ce qui se passe. Aidez-moi, chef. Là, c'est ça, oui. Madame avait commandé des toasts, il me semble. Encore un petit effort. Pas trop lourd, ça va? Là. Comme ça, ça peut aller. Là. C'était la tourelle d'avant.
Il n'est pas encore fichu. Ça veut dire défense de marcher sur mes plates-bandes, là. Je crois qu'il faut changer légèrement de cap, oui. À droite, 10. À droite, 10. Préparez-vous à approcher pour l'achever à la tombée de la nuit. Manœuvrez pour la voir entre nous et le couchant. De cette manière, sa silhouette se découpera sur le ciel et nous, nous serons protégés par l'ombre. Prépare pour la mise à mort. Alors cette lumière, vous pouvez la réparer, chef? Non. Il doit y avoir un câble de coupé. Eh bien, et les décorations de Noël? Ah oui, bonne idée. Il y a les lampions et les bougies. Quelqu'un a une allumette? On les allume maintenant ou on les garde pour plus tard? On en aura peut-être plus besoin plus tard. Je l'allume en l'honneur de mon ange gardien. On ralentit, messieurs. C'est exact. Qu'est-ce que tu en penses, Bibi? Il a stoppé. Ouais. Ouais, il a stoppé. C'est vrai. Langsdorff va laisser nos bateaux passer à côté de lui dans le noir et après il virera cap sur cap et regagnera le large. C'est sûr, et demain matin il sera au milieu de l'océan. Si seulement on pouvait faire quelque chose. Ah, oui. Ah, c'est malheureux tout de même. Oui. Silence! Arthur! Ils viennent. En hôtel! Messieurs, pour vous, la bataille est terminée. Hein? Comment la bataille est terminée? Et nous sommes maintenant dans l'avant-port de Montevideo. Quoi? Comment l'avant-port de Montevideo? Alors, le commandant Langsdorff m'a chargé de vous dire que, comme nous sommes dans un pays neutre, l'Uruguay... On va être enfermé à Montevideo. Selon la loi internationale, vous serez remis en liberté demain matin. Seigneur Mac,
Il n'y a rien à faire. Toutes les lignes sont occupées. Tous les journalistes de Buenos Aires, de Rio, de Santiago veulent une chambre. Je m'en fiche pas mal des journalistes qui poussent dans la rue. Si, ils ont l'habitude. Une seconde, s'il vous plaît. Je vous il faut que j'ai la NBC, la CBC et l'ABC. Hein? Ah, si. Il me faut tout l'alphabet oh, oui, parce que l'oncle Mike va raconter une page d'histoire pendant qu'elle est en train de faire. Seigneur Mike, je vous en prie, soyez chic. Seigneur Mike, je vous en prie. Mon petit coquin. Pas maintenant, Seigneur Mike. Tout ce que j'ai pu promettre actuellement, Excellence, c'est d'envoyer une commission d'experts à bord du navire du commandant Langsdorff pour estimer les dommages qu'il a subis. Heil Hitler! Son Excellence, le ministre de Grande-Bretagne. Cher docteur Gwynne. Je vous en prie, asseyez-vous. Le gouvernement de l'Uruguay, dont j'apprécie les principes démocratiques, voudra certainement, selon les lois internationales, interner le graf Spee pour la durée de la guerre. N'est-il pas vrai? Son Excellence, le chargé d'affaires de France. Cher monsieur. Excellence. Une nouvelle note, je suppose. En vertu de la Convention de La Haye. Ah, cette Convention de La Haye, je n'entends que ça. Messieurs, je sais, l'article 17 dit que les navires de guerre des belligérants ne peuvent pas faire de réparations dans les ports ni les rades des pays neutres à part celles qui sont nécessaires à la sécurité en mer. Et qu'ils ne peuvent en aucune façon y accroître leur puissance de combat. Puis-je attirer l'attention de votre Excellence sur le fait que depuis la bataille, le Graf Spee a déjà parcouru 300 000. Et à toute vapeur, les bateaux anglais n'ont pas pu le rattraper. Messieurs, depuis minuit, j'ai reçu 3 notes diplomatiques du ministre d'Allemagne, 2 du ministre de Grande-Bretagne et 2 de celui de France. Nous sommes une petite nation qui s'est imposée au cours de ce conflit le lourd fardeau de la neutralité. Je vous supplie de ne pas le rendre plus lourd. Pardonnez-moi cette question, mais croyez-vous que votre pays pourra persister dans cette décision ? La question est là. Sur quoi les canons du Graf Spee sont-ils actuellement pointés? Pas sur l'ennemi. Ils sont tous pointés sur la ville de Montevideo. Il pourrait bien y avoir là un cas de force majeure. Monsieur Desmoulins, monsieur Millington Drake, au cours de sa brève histoire, mon petit pays a survécu à bien des menaces. Rien ne nous profite autant que les menaces. Chaque fois que mon pays a été exposé à des menaces, il en est sorti plus fort. Nous sommes des gens simples. Nous ne sommes pas plus de 2 millions. Et nous ne comprenons que peu de choses. La loi, nous la comprenons. La justice, nous la comprenons. La menace, jamais nous ne la comprendrons. Regardez-moi. Je ne suis pas bien grand, mais j'ai 2 millions de têtes. Allô, vous m'entendez? Allô, New York, allô, New York. Ici Mike Fuller qui vous parle du port de Montréal. Hey, Bob, réveille-toi, espèce de gaucho de malheur. Est-ce qu'ils nous entendent? Manon l'a dit, non. Mais, a un momento. Qu'avez-vous de aquí? Adressez-toi au chef. Afuera, vayanse de aquí, afuera. Manolo, il dit, il faut pas qu'on reste, c'est Manolo. Écoute, dis-lui que je fais un reportage sur le Graf Spee pour toutes les radios des États-Unis. Dis-lui qu'il a la plus belle vue de tout l'Uruguay, que nous avons un permis spécial. Pero mira que están haciendo esos tíos.
Allô, allô, vous m'entendez? Tenez-moi un permisso, Manolo. Ah, un permisso, muy bien. Quel permisso allô, de mi parte? Mike, Manolo dit que nous n'avons pas de permis pour nous mettre chez lui. Dis-lui que ça fera de la publicité à sa boîte. Ça lui fera faire des affaires d'or. Dis-lui que les Américains viendront pour photographier le Graf Spee. Mais les Anglais se vont hundir le Graf Spee avant que les touristes américains lleguent. Manolo, il dit que les Anglais vont couler le Graf Spee avant que les touristes américains arrivent, qui peut vendre beaucoup de boissons tout de suite et que 4 clients peuvent tenir à cette table si ce n'est pas 6. Dis-lui qu'il peut m'apporter 6 whisky toutes les demi-heures pendant que je serai là. Et montre-lui l'argent. Vous pouvez trouver 5 whisky cada media hora. Si, si, 6 whisky dobles, pero cada cuarto de hora. Allô, New York. Allô, New York. Seigneur Mike, il dit que ce sera 6 whisky doubles tous les quarts d'heure. D'accord. Et il fournit les bouteilles gratis pour y reverser le whisky. Je ne peux pas boire en travaillant et je ne peux pas perdre le whisky. Allô, New York. C'est d'accord. Hé, hey, tout. Et qu'il n'essaie pas de m'encaroter, hein. Allô, New York, allô. Hé, hey, Pop, réveille-toi, le moment est historique. Después de la gran batalla, como una mujer de día, hay la fuerza de su noticia. El día, el país, la tribuna, después de la gran batalla de ayer en Cuba, el TV. Muy bien hecho. Inglaterra para siempre. Estamos contigo. ¡Rey Canadá! Bien hecho. Inglaterra para siempre. Bonté divine. Une manifestation. Ah. Anti-britannique? En aucune façon. Ce sont tous des gens d'origine britannique qui viennent offrir leur service. Oh, ça regarde l'Intelligence Service. Où est Ray Martin? Monsieur Martin est allé au port. L'attaché naval de Buenos Aires est là-bas également. Il apparaîtrait qu'ils se sont installés dans un local des entrepôts avec une trappe secrète et un télescope. Et un manteau couleur de muraille, je suppose. Mais ne me mêlez pas là-dedans. Je viens de le demander au téléphone. Commandant McCall. Oh, monsieur le ministre. Oui. Oui, Ray Martin est ici. Il dit que la rue devant l'ambassade grouille de volontaires. Qu'on prenne leur nom, on les traitera plus tard. Nous avons organisé un poste d'observation pour guetter le Graf Spee. Que quelqu'un prenne les noms, on verra après. On en aura besoin des volontaires. Au revoir, monsieur le ministre. Comme ça aussi chez vous. Mais attention! Mais sur quel sabot avez-vous navigué? La vessie de le bateau de pêche, il s'est mis juste devant. Tiens, tiens, une grosse légume dans une vedette. C'est mon vieil ami Langmann, le ministre d'Allemagne. Il va faire une visite officielle à Langsdorff. Ce Langsdorff m'a l'air d'être un grand monsieur. Hein? Oui, c'en est un. Je le vois en ce moment. Quoi? Laissez-moi voir. Il s'est rasé la barbe. Toute une file de marins anglais en train de monter sur le pont. Comment? Il devait y avoir des prisonniers à bord du Graf Spee pendant la bataille. À vous aussi, s'il vous plaît. Capitaine Todd, le commandant voudrait vous voir, s'il vous plaît. Le capitaine? Captain. Captain Duff is here. Zolarenko. Yeah, Captain. Entrez, s'il vous plaît. Alors, commandant Duff.
Alors, commandant Langsdorff, je vois que tout va bien. Je tiens à vous remercier, commandant. Vous avez fait de votre mieux pour nous et je souhaite seulement que tout se passe au mieux pour vous. Merci. Faites mes vœux aux autres. Souhaitez-leur un bon Noël. Je n'y manquerai pas. Tenez. Il vient des bonnets de deux de mes hommes tombés dans la bataille. Souvenir. Ah, merci beaucoup. Est-ce que je peux faire autre chose? Si ça ne vous ennuie pas de me le dire, commandant, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons aperçu deux torpilleurs et un autre bâtiment. Ce n'est qu'une fois près d'eux que je me suis rendu compte que c'était des croiseurs. Mais à ce moment, nous avions déjà engagé la bataille. J'étais obnubilé par eux. Ils attaquaient comme des torpilleurs. Ils se rapprochaient de moi. Je ne pouvais pas croire qu'ils oseraient le faire s'ils n'étaient pas appuyés par de plus gros bateaux. J'étais sûr qu'ils essayaient de m'attirer sous le feu d'autres unités mieux armées. Vous pouvez me dire quels étaient ces bâtiments? Oui, l'Ajax, l'Achille, l'Exeter. Ça ne se peut pas, Woodhouse, ça ne se peut pas. Il n'y a pourtant pas de doute. Le télépointeur signale. Un croiseur à trois cheminées. C'est lui. C'est le Cumberland. Ça, c'est un miracle. Miracle non, amiral, il ne sera pas de trop. Mais comment, mon Dieu, sont-ils arrangés pour faire 1000 milles en 35 heures? Premier maître, capitaine. Attention. Timonier, envoyé au Cumberland. Comment avez-vous pu arriver si vite? Le Cumberland répond. Oui. Anatole. A. Nicolas. A. N. Théodore. Ante. Isidore. Anti. Célestin. Anticipation. Anticipation. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous va? Eh bien, mon Dieu, à première vue, oui. Si vous voulez, nous pourrions en discuter demain. Voulez-vous que nous lions ensemble demain? Vous êtes libre? Volontiers. Ça nous donnera le temps de réfléchir. Oui, mais en ce qui me concerne, c'est tout réfléchi. Le commandant Langsdorff. Heil Hitler. Ne faisons pas de cérémonie, messieurs. Votre Excellence connaît exactement les faits. Voyons si j'ai été bien informé. Hier matin, de très bonne heure, au large de Punta del Este, une bataille navale a eu lieu. Le cuirassé de poche allemand, Admiral Graf Spee, a été attaqué par trois croiseurs britanniques, l'Exeter, l'Ajax et l'Achille. Au cours de cet engagement, le cuirassé allemand a remporté une victoire. Le croiseur britannique Exeter a été réduit en miettes et les deux autres croiseurs britanniques ont fui. Le Graf Spee a subi quelques dégâts de peu d'importance et s'est dirigé... Ce n'est pas exact. Non? Non. Le Graf Spee a subi de graves avaries. Il ne peut plus tenir la mer. Je cite pourtant le communiqué officiel de votre gouvernement, reproduit par votre agence officielle, le Deutsche Nachrichtenbüro, et daté d'aujourd'hui à 3h15, heure de Greenwich. Votre Excellence sait qu'en temps de guerre, les communiqués officiels doivent tenir compte des réactions de la population, du maintien de son moral, de... Commandant Langsdorff, quelle est votre estimation des avaries de votre bâtiment? Eh bien, mes cuisines ont été détruites. Je ne peux plus nourrir mes hommes. Tant de autres dégâts, vous avez envoyé à bord une commission technique et à tout visiter. J'ai reçu son rapport. Combien de temps pensez-vous qu'il vous faudrait pour pouvoir reprendre la mer? Selon mon estimation, 2 ou 3 semaines. Au moins 2 semaines. Ma commission envisage 48 heures. Comment? Mais j'ai reçu 64 obus. 65. En considération de ce fait, mon gouvernement a décidé d'augmenter le délai de 72 heures afin de permettre à l'admiral Graf Spee d'être remis en état de naviguer. Le délai expirera donc à 20 heures
le dimanche 17 décembre. Mais il sera interdit, conformément au terme de la 13e convention de l'aide, d'effectuer aucune réparation ayant pour but d'augmenter la puissance de combat de votre vaisseau. Je me vois dans l'obligation de protester. Je note votre protestation. Allez, commandant? Oui, allez-y. Larguez devant, larguez derrière. En avant! Bonjour, amiral. Bonjour, McColl. Je suis ravi de vous voir. Vous connaissez Woodhouse, je crois. Bonjour, Woodhouse. Medley, mon officier d'état-major. Bonjour, Medley. Bonjour, commandant. Bonjour, messieurs. Harwood, venez. Venez avec moi. McColl, il faut que vous l'empêchiez de sortir. L'empêcher de sortir? Mais nous venons remuer ciel et terre pour que les Uruguayens le fichent dehors. Oui. Et nous les avons convaincus. Eh bien, vous n'avez qu'à les convaincre du contraire, parce qu'il ne faut à aucun prix qu'ils sortent. Mais comment le pourrais-je? C'est votre affaire à vous et à Martin. Employez n'importe quel moyen. Invoquez la règle des 24 heures, ce que vous voudrez. McColl. Écoutez, mes trois navires ne suffisent pas pour rendre l'issue certaine. Vous savez le temps qu'on a mis à le coincer. Et l'embouchure de ce fleuve à 100 milles de large. S'il réussit à nous échapper encore, et ce n'est pas exclu, ce n'est pas exclu. J'ai eu beaucoup de chance le 13, mais il n'est pas sûr du tout que cette chance se représentera. Je sais. L'amirauté a ordonné une concentration à Montevideo de tous les groupes de chasse. Donnez, Medley. Vous n'avez qu'à regarder la carte. La force K. Le Renard et l'Arc Royal. Ils sont à 600 milles à l'est de Pernambouc. À 2500 milles d'ici. Ils devront se ravitailler à Rio. Lundi, mardi, trois jours. Ils ne peuvent pas être ici avant mardi. Le Neptune et la force française X sont encore plus loin. Dorsetshire est parti du Cap mercredi. Ça fait un voyage de 4000 milles. Vous voyez, il faut que vous l'empêchiez de sortir avant mardi. Je ferais mieux de repartir tout de suite. C'est tout ce que je vous demande. Prévenez la vedette et sortez mes clubs de golf. Pauvre vieux Millington Drake. Quelle tête il va faire quand je lui dirai que tout est changé? Est-ce qu'il se débrouille? Oh, merveilleusement. Il les oblige tous à marcher avec lui. Ministère de la Marine, de la Défense, des Affaires étrangères, en leur brandissant sous le nez la Convention de l'air. Je vois ça d'ici. Hein, Louisy, Campos, Guani. Il y a seulement quelques jours, je faisais encore une partie de golf avec Campos. Et à propos de golf, regardez mes clubs. Ce sont des clubs de golf? Des manches à balai. C'est tout ce qu'on peut en faire. Un seul obus les a tous décapités. Bien visé, hein? À la foire, ils auraient gagné la timbale. Je compte sur vous pour me les remplacer, hein? Et surtout, ne vous faites pas arrêter pour contrebande. Vous savez que les États d'Amérique du Sud revendiquent le Rio de la Plata comme eau territoriale? Tout l'espace compris entre Punta de Medanos et Punta del Este. Oui, je le sais. En supposant que le Graf Spee cherche à se réfugier à Buenos Aires, essayerez-vous de l'en empêcher? McColl, je n'ai jamais prétendu être un cavalier, mais je connais les règles de l'art. Il ne faut prendre un obstacle que lorsqu'on est dessus. Au revoir, amiral. Au revoir. Bonne chance. Pardon, capitaine. C'est un message qui vient d'arriver pour l'amiral. Merci.
Medley, envoyez un message à l'amirauté. De Commodore Atlantique Sud. Excusez-moi, mais ce message n'est pas correct. Comment? Je n'ai encore rien dit. Si, le début. J'ai dit envoyer un message à l'amirauté. Qu'est-ce que ça a d'incorrect? Ben, vous avez dit ensuite de Commodore Atlantique Sud. Eh bien, je suis le Commodore Harwood, non? Non. Vous êtes le contre-amiral Sir Henry Harwood, chevalier commandeur du bain. Mes félicitations, amiral. Commandant? Nom d'un chien. Qu'est-ce qui se passe? Mauvaise nouvelle? Je suis nommé aussi. Compagnon du bain. Ainsi que Paris est belle. Ah, nous avons l'air fins. Un commandeur et un compagnon de l'ordre du bain, nous ne sommes pas fichus d'avoir une baignoire. Vous ne pourrez plus jamais, après ça, être un attaché naval. Aucune importance. Non, mais vous vous rendez compte que vous me demandez, pour arriver à vos fins, de violer une des plus... Un instant, Excellence. C'est lui, Monsieur Millington Drake. Merci, mademoiselle. Laissez-nous, s'il vous plaît. Son Excellence, l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Buenos Aires. Les oreilles ennemies vous écoutent. Eh bien alors, adieu ma réputation professionnelle. Enfin, qu'est-ce qui se passe sur la ligne? C'est vous, Millington Drake? Non, c'est McCall, monsieur l'ambassadeur. Ah, c'est vous, McCall. Et alors? Un fait particulier est survenu à propos du Graf Spee. Attention, McCall, pas d'indiscrétion. Je sais, monsieur l'ambassadeur, mais c'est de la plus grande urgence. J'ai appris à l'instant par un message chiffré que deux de nos plus gros bateaux... Vous êtes fou, McCall, demain à raccrocher. Je dois insister. C'est un cas où l'urgence prime la sécurité. Ces bateaux qui comptent parmi les plus puissants arriveront dans les 24 heures à Bahia... Je vous répète que la sécurité... À Bahia Blanca, pour faire du mazout. D'accord. Oh. Ils donneront plus une seconde... Bonté divine. Je vous ordonne de vous taire. Ils sont venus à toute vapeur vers le Rio de la Plata, pour des raisons évidentes. Voyez. Ils nous demandent de prévoir la fourniture de 2000 tonnes de mazout. Véritablement, McCall, vous avez perdu la tête. 2000 tonnes de mazout à amener par bateau citerne à partir de ce soir. Les journaux de l'après-midi vont sortir bientôt. Et étant donné les fuites des câbles téléphoniques entre ici et Buenos Aires, je compte bien voir les journaux proclamer que la moitié de la flotte britannique est devant Punta del Este. Excusez-moi, mademoiselle, pourriez-vous me traduire ça, s'il vous plaît? Les gardiens du phare de Punta del Este rapportent que les cuirassés Baran et une autre puissante unité de la flotte britannique se sont joints à la division de l'amiral Allo. Merci, mademoiselle. Ce gardien de phare m'a l'air d'avoir un œil de lynx. Le Baran est en cale sèche à Gibraltar. Monsieur Millington Drake. Monsieur. Pourquoi vos agents essayent-ils à présent de retarder le départ du Graf Spee? Expliquez-moi ces changements d'attitude. Excellence, ce n'est pas un changement d'attitude. Non? Non. C'est un changement de stratégie. Mesdames et messieurs, nous voici dimanche matin, 17 décembre à 11h15. C'est aujourd'hui qu'expire le délai fixé pour le départ du Graf Spee. Pour être précis, c'est à 20h, heure locale, qu'il doit prendre la mer ou être interné par le gouvernement uruguayen. La situation est loin d'être claire, car pour le moment, nous assistons au départ d'un navire de commerce français, le Côte d'Azur. Et selon la loi de neutralité, un navire marchand doit être prévenu 24 heures à l'avance, ou bénéficier de 24 heures de grâce, avant qu'un bateau de guerre ennemi puisse le poursuivre. Il semble donc que, soit que le Graf Spee sorte, soit qu'il ne sorte pas, il viole la loi. D'autre part, le bruit court qu'à l'embouchure du Rio de la Plata, il y a 5 ou peut-être même 7 bateaux de guerre britanniques qui l'attendent. Une autre rumeur dit que les Allemands amèneraient aussi du renfort. Si bien qu'une bataille navale encore plus importante que celle de mercredi est imminente. Nous pensions tous que le Graf Spee profiterait de l'obscurité pour s'échapper. Mais il est toujours là. Son commandant, Hans Langsdorff,
a travaillé toute la nuit avec les autorités diplomatiques nazies pour arrêter une des décisions les plus importantes que l'Allemagne ait eu à prendre depuis le début de la guerre. Conduiront-ils ce navire endommagé hors du Rio de la Plata? S'ils ne le font pas, ils seront internés. Se battront-ils? S'ils se faisaient couler, ce ne serait pas de la très bonne propagande. Je me demande comment Goebbels expliquerait ça. Personne ne le sait. Il y a une heure, le commandant Langsdorff est remonté à bord de son bateau. Il avait passé près de 3 heures à terre. Le ministre d'Allemagne, le docteur Langmann, l'accompagnait au quai. Quand ils se sont serrés la main, on a entendu « à demain ». Naturellement, ils l'ont dit en allemand. Je vous donne simplement la traduction. Monsieur Beasley, du Trévanion. Jusqu'à présent, nous n'avons pas pu recueillir d'autres indices sur les décisions prises par les Allemands. Et le capitaine Dove, de l'Afrique à chair. Pour vous raconter dans quelle étonnante atmosphère se déroulent les événements dont tout le monde ici comprend l'importance. J'ai déjà eu le plaisir de vous voir. Et qui peuvent avoir une répercussion considérable sur le déroulement de la guerre en général. Où ça? Et de la guerre navale en particulier. Sur le Garspey, avec cette lunette. Vous êtes monté sur le pont quand Langmann est venu pour les obsèques. C'est vrai. J'ai vu que vous y assistiez tous. Oui, nous y sommes tous allés. Mais nous y avons tenu. Ça se comprend parfaitement. Vous étiez presque de l'équipage. Vous avez dû passer des moments terribles. Mon sage vous en dirait long là-dessus. Enfin, vous êtes tiré d'affaire. Oui. Je n'aurais pas aimé vous savoir à bord quand il repartira. Vous croyez qu'il essaiera de passer, commandant? Vous connaissez son commandant mieux que nous. Il se battra. C'est un vrai marin. Allô, ici Mike Foller qui vous parle de Montevideo. Le bruit court maintenant que le Graf Spee pourrait obtenir un délai supplémentaire. Il fait un beau temps ensoleillé à Montevideo. Extrêmement ensoleillé. On peut voir jusqu'à 30 km de la côte, mais aucun navire britannique n'est en vue. Il est maintenant absolument certain qu'il n'y a pas moins de 13 navires alliés dans les eaux voisines, dont le cuirassé Renault et le porte-avions Ark Royal. Une seule question est sur toutes les bouches. Le Graf Spee osera-t-il tenter de sortir? Venez voir. Laissez-nous la place, Swanson. De notre ambassadeur à Buenos Aires. Selon une rumeur qui court avec insistance, le Graf Spee appareillerait ce soir. Alors il essaie de passer. Vous croyez? Qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous aviez le Graf Spee sous votre commandement? Eh bien, je quitterais le port dès qu'il ferait noir. J'essaierais de tromper les bateaux qui croisent au dehors, et je me hâterais de prendre le large. Et si je ne pouvais pas les tromper, je me battrais à mort. C'est pas ce que vous feriez, amiral? Ça a l'air simple, mais je ne sais pas si ça paraît si simple que ça à Langsdorff. Pourquoi? Il doit avoir énormément de soucis. Souci numéro un, il ne sait pas de quelle force nous disposons. Souci numéro deux, il pourrait évidemment se laisser interner à Montevideo. Mais l'Uruguay pourrait entrer en guerre de notre côté, dans ce cas, le Graf Spee tomberait entre nos mains. Il pourrait foncer vers le port de Buenos Aires, mais le chenal est étroit, peu profond, et envasé. Si ses prises d'eau s'engorgeaient, on pourrait le tirer comme un canard. Oui, il essaiera de passer. Comment va-t-il appareiller, selon vous? Maintenant. Dans les 15 minutes qui vont venir. Moi, à sa place, je lèverai l'angle. Eh bien, nous allons voir. Un commandant de bateau de guerre, mon cher Woodhouse, ce n'est pas seulement un officier. Tout ce que nous faisons ou ne faisons pas est guetté et interprété d'une manière ou de l'autre par les amis, les ennemis ou les neutres. Si nous l'envoyons au fond, ça ne pourrait être interprété que d'une manière. Ce n'est pas si sûr. Réfléchissez aux conséquences. Si nous ouvrons le feu dans le Rio de la Plata, on nous reprochera de violer des eaux territoriales neutres. Pensez aux parties que Goebbels peut en tirer. Enfin, c'est vous que ça regarde. Oui. Vous êtes trop aimable. Allô, allô, ici Mike Foller, qui vous parle toujours de son excellent fauteuil d'orchestre en face du port de Montevideo. J'ai dû interrompre un moment mon reportage parce que la foule est si serrée qu'elle a arraché le fil de mon micro. Cependant, grâce à la complaisance de la police uruguayenne, les dégâts ont été assez rapidement réparés. Et j'espère seulement que mon fil tiendra un peu mieux cette fois-ci. Oh, il exagère, celui-là. Comme je vous l'ai déjà dit, la dernière limite fixée au Graf Spee expire à 20h, heure locale. Il est actuellement 19h50. Il ne reste donc que 10 minutes. Il est impossible de décrire ce qui se passe ici. La tension augmente d'instant en instant. Allez, Woodhouse, on y va. Envoyé à la Chile et au Cumberland. Formation ligne de file. Bien, amiral. Timonier, hissez l'ordre numéro 1. Et si ça tourne mal, je veux bien rendre mon tablier, monsieur Woodhouse.
soleil descend, la soirée est belle et claire. Tout ce qui, à Montevideo, peut marcher, rouler ou ramper, s'est donné rendez-vous sur le bord de la mer dans l'espoir d'assister à un spectacle sensationnel. La foule qui est ici sur les plages et sur les toits ferait le bonheur du trésorier de n'importe quelle organisation sportive. Toute la journée, on a pu observer que des hommes du Graf Spee étaient transférés sur le Tacoma, un navire de commerce allemand. Il ne restera sans doute qu'un équipage suicide à bord du cuirassé de poche qui est immobile devant nous dans le port comme un monstre sinistre et menaçant. Dans l'après-midi, nous avons entendu marcher les machines du Graf Spee. Et maintenant, ces diesels se remettent en route. Une fumée noire sort de ses cheminées. Excusez-moi, je vais boire un peu, car ma gorge est desséchée par l'émotion. La mienne aussi. Pop, donne-moi à boire. Vous voudrez bien me laisser le temps d'avaler un peu d'eau? Ma gorge est tellement sèche que je ne peux plus parler. Hombre, la última botella. Quoi, la dernière? La vaste foule qui était si bruyante au cours de l'après-midi semble elle aussi avoir perdu la voix. Tout le monde regarde silencieusement. Ça y est. Non. Si, si, ça y est. Cette fois-ci, il est parti. Le cuirassé de poche, le Graf Spee, commence enfin à bouger. Oui, le voilà qui s'apprête à sortir du port. Il sort du port par ses propres moyens. Montez à 18 nœuds. 140 tours. 270 en plein vers l'ouest. À gauche, 10. Maintenant, le Tacoma se met en route. Oh, fantastique, à présent, les dés sont jetés. Catapultez l'avion. Allô, plateforme, catapultez l'avion. Tous les spectateurs sont là, envoûtés, et ne quittent pas des yeux le cuirassé de poche qui sort du port. Quelques-uns lui font des signes avec leurs mouchoirs. Je vois des femmes à genoux qui prient. Personne ne sait ce que le commandant Langsdorff a l'intention de faire. Personne ne sait ce que M. Hitler lui a ordonné de faire. Accepte-t-il de laisser interner l'orgueil de la flotte allemande ou préfère-t-il livrer un combat aussi désespéré que spectaculaire? Nul ne le sait. Mais ce que tout le monde peut dire, c'est que la machine de la propagande allemande ne peut pas se permettre de perdre une bataille sans que le monde entier en soit témoin et prenne parti. Allô, ici l'avion de l'Ajax. Je crois qu'il a quitté le grand chenal de Buenos Aires. Le Graf Spee est maintenant à environ 3 km de la côte. Il semble avoir changé de direction. Oui, oui, il a l'air d'aller vers les bateaux britanniques. Maintenant, il ralentit. On dirait qu'il va s'arrêter. Il s'arrête maintenant! Oui, il n'y a aucun doute, il a stoppé! Le puissant vaisseau de guerre s'est immobilisé. Nous sommes tous dans l'attente. Le soleil touche l'horizon. Et avec mes jumelles, je vois très nettement une grande embarcation se détacher du Graf Spee et se diriger vers le Tacoma. Cette embarcation est surchargée d'hommes. Je peux vous certifier que bien que nous assistions à tous les détails, il nous est impossible de deviner ce qui va se passer maintenant. L'état de tension où nous nous trouvons tous est incroyable. L'hypothèse la plus vraisemblable est qu'il reste d'abord un équipage réduit qui est prêt à se sacrifier dans une bataille où il a une chance presque inexistante d'échapper aux Anglais. Ah, mon Dieu! Le souffle de l'explosion à plus de 3 km de distance. C'est un suicide. Le bateau s'en fait sauter lui-même. Encore une explosion. Et encore une autre. La fumée en sort de toutes parts. Des flammes rouges et jaunes. Écoutez, vous devez entendre le tonnerre de ces explosions qui arrivent jusqu'ici. C'est fantastique! Un gigantesque chaudron de sorciers en feu! C'est un spectacle dantesque! Une succession d'explosions! L'incendie semble s'être déclaré dans toutes les parties du navire à la fois! Nous assistons aux convulsions d'agonie de la bête blessée! Nous sommes tous atterrés, en même temps qu'éblouis par l'explosion de ces tonnes de munitions, de carburant, d'obus, de torpilles, qui sont en train de réduire en miettes la formidable carcasse! Et qui projette dans les airs des plaques de blindage déchiquetées comme un volcan d'acier. Réglé à une seconde près sur le coucher du soleil. Le crépuscule des dieux. Eh bien voilà, Woodhouse. Oui, amiral. Envoyé à l'Achille et au Cumberland. Beaucoup de vie
ont été épargnés aujourd'hui. Rappelez l'avion. Garde à vous! Fribourg! Il nous acclame, commandant. Rentrez. Premier maître. Amiral. Envoyé à l'Achille, au Cumberland. Suivez papa. Bien, amiral. Pilote. Amiral. Vous voyez ce feu de joie là-bas? Oui, amiral. Bon, vous allez gouverner droit dessus. Commandant Boutacoma. La canonnière au Rouguet. Oui. Vous avez quitté les ports sans projet et sans pilote. Qui vous arrête? Envoyez votre vedette. Proteste en vertu des lois internationales. Vous avez ouvert des bacs assistés au navire de guerre belligérant dans les eaux territoriales uruguayennes. Mon bateau est un navire marchand. Il n'appartient pas à la flotte auxiliaire de mon pays. Est-ce que le commandant Langsdorff est à bord? Oui. Je vais monter à votre bord. Je ordre ne pas vous arrêter, commandant Langsdorff. Ni vous, ni vos hommes. Commandant Langsdorff. Alors, commandant Dove. On m'a donné la permission de monter à bord du Tacoma. Les choses ont un peu changé pour vous depuis que nous nous sommes dit adieu, il y a 4 jours. Oui. J'ai reçu en quelque sorte une mission officieuse, parce que le bruit courait à Montevideo que vous aviez péri avec votre bateau. Le salut de mon équipage passe d'abord. Je voudrais que vous sachiez, commandant, que tous ceux d'ici qui sont entrés en contact avec vous vous respectent au plus haut point. Et je crois que j'ai le droit d'ajouter en mon nom personnel même vos ennemis. Je suis navré de vous voir dans cette situation. Et seul. Le commandant d'un bateau est toujours seul. Au revoir. Et merci. Ici Mike Foller qui vous parle de Montevideo encore une fois et ce sera la dernière. À la fin de cette soirée du dimanche 17 décembre 1939, il y a encore des milliers de gens qui arpentent les places et les avenues autour de moi. Ils ne veulent pas rentrer chez eux, semble-t-il. Ils n'arrivent pas à croire que tout est fini. C'est comme un roman d'aventure qu'on ne peut pas fermer avant la dernière page. Le tigre des mers a été abattu. L'incendie est en train de le dévorer de la proue à la poupe. Cependant, les chasseurs qui l'ont assailli, qui l'ont poursuivi jusqu'ici,
et acculé dans sa dernière retraite, qui ont sonné son alali et assisté à sa fin tragique, les chasseurs ont repris leur garde vigilante. Ici, votre ami Mike Fowler qui vous quitte maintenant et vous souhaite bonne nuit de Montevideo.